Bienvenue à la maison départementale de la nature du Plan. Nous sommes, comme vous le voyez, sur un grand espace à l'entrée de l'aire toulonnaise, situé entre la Garde et le Pradé, 135 hectares. Donc des plans d'eau, prairies, forêts, espaces boisés, une grande diversité, un espace riche. Et au milieu de ce site, cette maison, la maison de la nature. La maison a trois vocations, trois axes forts. C'est un site d'observation sur la nature. Par sa position haute, là on est à 3,50 m au-dessus du terrain naturel, vous avez vu la maison flotte au-dessus de l'eau, ça lui permet de profiter de panoramas remarquables sur le site, on peut voir les oiseaux, la végétation, etc. Donc, premier axe, observation. Deuxième volet, c'est à travers cet espace, une maison de 560 m², il y a des lieux d'exposition. La première exposition, ça va être la présentation globale de la politique départementale en matière d'espaces naturels sensibles. Deuxième partie de l'exposition, ça va être plus un focus sur l'espace nature du Plan, la richesse du site, il y a des sculptures d'oiseaux qui les plus représentatives du site, et après des modules biodiversité qui présentent toute la richesse faune-flore. Troisième axe du site, le lieu de départ. Le lieu de départ pour les visites, les animations. Pour la construction de la maison de la nature, l'objectif a été double. Donc il y a une intégration paysagère dans le milieu, et après l'utilisation des matériaux nécessaires à la construction du bâti. À l'arrière du bâtiment, il y a tout un système de géothermie. Donc c'est 2 km de tuyaux qui sont à 1 mètre de profondeur et qui produisent la chaleur en hiver et le rafraîchissement de la maison en été. Sur la toiture de la maison, panneaux photovoltaïques et aussi une éolienne qui produisent l'électricité pour tout ce qui est éclairage, informatique, etc. Toute la partie avant, elle est réalisée en bois Douglas. Donc toute la provenance de ce pin, c'est le massif central. Concernant l'arrière de la maison, la partie béton, c'est réalisé en béton de chanvre qui a pour caractéristique d'avoir un pouvoir thermique nettement plus élevé que le béton. Et autre intérêt aussi, c'est d'un point de vue acoustique, c'est beau, ça apporte une sonorité beaucoup plus wattée. La partie avant de la maison, ça ressemble à deux vagues. On voit une vague à gauche, une vague à droite, et en réalité, ce n'est pas le concept de l'architecte. L'architecte, il a voulu représenter un regard sur le site, et donc ça représente le sourcil de gauche et le sourcil de droite. Gratuitement aussi, on propose auprès des scolaires et du public adulte ou les familles, les mercredis et les week-ends, des animations, des visites commentées par nos guides expérimentés ou naturalistes, qui propose deux types d'animations, soit des visites commentées du site sur un volet plus technique, sur l'aménagement qui a été réalisé, sur toute cette création, soit des balades et des commentaires plus thématiques sur des volets, par exemple, ornithologie. L'espace nature départemental du Plan est un espace qui a été acquis par le département avec des acquisitions qui ont commencé dans les années 90 afin de pouvoir préserver ce site. Donc c'est une acquisition qui s'est faite au titre de la politique sur les espaces naturels sensibles qui a pour objectif principal d'une part de mettre un statut de protection, on va dire, sur les espaces naturels afin de les préserver des impacts que peuvent avoir des activités humaines, des enjeux fonciers qui peuvent exister. Et le deuxième volet également de cette politique, c'est de permettre un accueil du public. Donc ce site, aujourd'hui, au gré des acquisitions qui ont été faites, fait 135 hectares, répartis sur les communes de la Garde et du Pradé. C'est une des dernières zones humides méditerranéennes. C'est une zone d'expansion de crues. On a un bassin versant qui reçoit les eaux de principaux cours d'eau, dont notamment les gouttiers et la planquette. Quand il y a des grosses précipitations, c'est une zone qui est très régulièrement inondée. Il y a eu des inondations historiques dans le temps. Et un des rôles des aménagements mis en œuvre sont également de permettre de mieux réguler ce débit d'eau qui peut exister, qui est assez violent des fois, avec des ouvrages qui ont été créés, qui permettent de faire un stockage d'un certain volume d'eau quand il y a des grosses précipitations et une libération un peu plus modérée dans le cours d'eau, ce qui permet de réguler et de faire un tampon. Donc ça a aussi un objectif de préservation
des quartiers qu'on trouve sur la Garde, sur le Pradé et même sur Toulon, puisque toute cette masse d'eau qui arrive via les gouttiers rejoint la mer. Mais sans ces aménagements, les conséquences des grosses précipitations étaient beaucoup plus lourdes. Et là, on le voit, il y a des impacts en termes de décrues qui sont déjà visibles, c'est-à-dire qu'on a une décrue qui est un petit peu plus rapide qu'auparavant. On a un milieu très ouvert sur la partie la plus au nord, qui est celle qui reçoit le plus gros des aménagements. Donc c'est la partie, grosso modo, la partie gardéenne, avec des grandes prairies, les bassins aussi qui sont présents à ce niveau-là. Donc les milieux ouverts sont des milieux qui sont extrêmement favorables au développement de la biodiversité. Donc ces prairies sont gérées d'une certaine façon également pour que paysagèrement, elle soit qualitative, mais surtout qu'elle puisse être un habitat et un restaurant pour la faune et la flore qui peut s'y héberger. Donc en fait, ces prairies, on les fait... alors il y a des obligations qui sont faites de mise en sécurité du pourtour des habitations par rapport à ce qu'on appelle les obligations légales de débroussaillement, pour les enjeux de sécurité incendie. Mais les autres prairies, on a une rotation qui est faite avec des prairies qu'on laisse en fauche tardive, c'est-à-dire qu'on les laisse monter au printemps, on les laisse survivre à la période d'été, parce que c'est un milieu, et on le voit au niveau acoustique, c'est un milieu qui reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup de vie. Donc ces prairies, en fait, on va les faucher tardivement, c'est-à-dire qu'on les laisse passer l'été, et au moment où la biomasse est moins intéressante, où il y a moins de vie, c'est là qu'on va venir faire une fauche. Et l'autre partie, donc, qui est plus au sud, sur le Pradé, grosso modo, c'est la frênée. Donc le frêne est un arbre qui a une place importante sur le site. C'est un arbre qui aurait tendance à gagner du terrain si aucune gestion n'est faite. Et où c'est impactant, c'est qu'un milieu qui se referme est un milieu qui perd en biodiversité. Donc voilà, l'importance, c'est de réussir à maintenir des milieux suffisamment ouverts et une diversité de milieux. Et sur la frênée, l'idée, c'est de pouvoir garder ce couvert végétal, mais de le réguler de telle sorte qu'on n'ait pas des milieux totalement fermés. Sur les 135 hectares que constitue l'espace, on a plusieurs secteurs qui ont été aménagés. Donc on a au niveau de l'entrée ouest de la Bouya, on a un parc avec des agrès sportifs et des jeux d'enfants qui ont été installés. On a donc dans la partie centrale du site, on a l'arboretum ainsi qu'un parc paysager qui s'illustre avec un impluvium qui est situé à son entrée, qui est un espace à la fois récréatif avec des jeux pour enfants, et c'est surtout un support pédagogique avec différents jardins à thème qui arborent différentes thématiques, notamment la thématique de l'eau avec une fosse pédo qui permet de voir le fonctionnement d'une nappe phréatique. Côté est du chemin de la Foue, on a une partie qui est un peu plus en retrait, qui est composée de vergers. Donc on a des vergers qui ont été plantés avec différentes essences. On a des amandiers, on a des oliviers, on a pas mal des coniaciers, on a pas mal d'essences qui ont été plantées, avec dans l'idée d'avoir à terme des vergers en production accessibles. La partie phare un petit peu, c'est la Grande Roselière, avec effectivement les deux bassins principaux sur lesquels il y a de gros enjeux biodiversité et qui permet d'avoir un panorama exceptionnel depuis la Maison de la Nature. Donc la Maison de la Nature, forcément, dont a parlé Grégory, donc qui est vraiment l'outil qui va exploiter l'espace. Donc voilà, c'est vraiment là qu'il y aura de la médiation et qui a un magnifique terrain de jeu pour aller sensibiliser le public, les scolaires, en complément des expositions qu'ils peuvent abriter. Là, on a l'arboretum, qui est un espace sur lequel on a planté diverses essences d'arbres que le public est habitué à voir en ville, mais sans forcément les identifier. Donc on a plusieurs essences qui sont plantées avec des petits totems d'illustration pour que les gens puissent apprendre à les identifier et à les reconnaître. Donc on a des magnolias, on a des caroubiers, on a une diversité d'arbres qui sont plus ou moins adaptés au milieu. Donc certains ont très bien réagi, mais on a plutôt une bonne vitalité dans l'ensemble. Derrière, en fond, juste après l'arboretum, nous avons l'enceinte des jardins familiaux.
Donc ça, c'est un projet qui était existant avant les aménagements, qui permettait à des gens d'avoir une parcelle potagère. Donc c'est un travail qui est fait en collaboration avec les CCAS des deux communes. Donc des parcelles qui sont octroyées sur critères sociaux, des parcelles majoritairement de 200 m² et qui ont pour objectif de permettre vraiment aux gens d'obtenir un complément de nourriture. Hein. Donc c'est vraiment des parcelles qui sont mises en production, c'est vraiment ce qu'on attend des jardiniers. Il y a ce côté lien social et complément social pour ces personnes qui sont sélectionnées sur des critères de ressources. La passerelle de la Grande Roselière qui permet une immersion justement au milieu des phragmites et des plans d'eau. Donc là, c'est des secteurs sur lesquels justement il y a de très forts enjeux, notamment au niveau des oiseaux. C'est notamment les secteurs sur lesquels les chiens sont tout simplement interdits alors qu'il y a une tolérance en laisse sur le reste de l'espace. Parce que voilà, il y a beaucoup d'oiseaux qui viennent notamment y nicher avec des migrateurs. Pour l'anecdote, depuis que le site a été remis en eau avec la création des bassins, on est passé de 89 espèces d'oiseaux inventoriées par nos partenaires de la LPO à plus de 210 espèces d'oiseaux. Ça fait partie des espaces, les secteurs les plus sensibles de l'espace nature. Sur ce site-là, une des difficultés qu'il y a, justement, ça reste un espace naturel sensible, c'est la conciliation justement de l'accueil du public avec les enjeux environnementaux qui existent. Et c'est là qu'est un des défis de ce site, c'est de réussir à faire changer la perception que se font les gens de ce site, où effectivement il se passait beaucoup de choses avant sans aucun cadre. Aujourd'hui, on a un site avec un règlement, avec des patrouilles qui sont faites quotidiennes, hein, avec les agents départementaux, avec des partenaires, avec les polices municipales, pour veiller à ce qu'on ne porte pas préjudice à ce site. Quand on va du nord vers le sud, on est vers le nord en limite de communes, avec le parking, l'aire de jeu, donc c'est la partie qui est peut-être la plus aménagée. Et les gens, petit à petit, en allant vers le nord, en allant vers les plans d'eau, en allant vers la Freinée, rencontrent un espace qui est de plus en plus naturel. Et il faut qu'ils arrivent vraiment à avoir cette notion qu'ils ne sont pas dans un jardin public, ils sont dans un espace naturel qui a été aménagé. Donc c'est très subtil, mais vraiment il y a un challenge, c'est de vraiment faire en sorte que les gens changent de perception sur ce site.